Française, Français, l'heure est grave. Quelque chose de catastrophique est sur le point de se produire. Et on vous parle pas de la loi travail El Khomri, là? Non, ça c'est juste la réhabilitation de l'esclavage. On vous parle de quelque chose de bien pire. Laissez tranquille le souvenir d'un film iconique dans la mémoire de toute une génération. Non, faisons un putain de reboot de merde. C'est beaucoup mieux. Cette génération attendait un Ghostbusters 3. Ouais, pas un reboot de dope tout pourri. La preuve, le trailer a battu tous les records de dislikes sur YouTube. Personnage naze, humour pas drôle, effets spéciaux complètement pourlingue, vous êtes à votre max là? Côté reboot, prenons l'exemple de J.J. Abrams. Quand il fait sa reprise de Star Trek, il respecte le côté charismatique des personnages. L'ancienne génération valide la nouvelle. Ouais, le légendaire Leonard Nimoy transmet son rôle au nouveau Spock, Zachary Quinto. Là c'est la classe, là c'est bien fait. Dans Ghostbusters 2016, c'est aux chiottes l'équipe initiale. Les acteurs originaux se contentent de caméos minables, le tout au milieu de CGI totalement dégueulasse. C'est moche, c'est pas drôle, c'est pas ce qu'on voulait. À ce compte-là, nous aussi on peut faire un reboot. S'il suffit d'être moche et de faire de la merde, on est les meilleurs. Eh hey, mais t'as oublié ton proton pack? Ouais, mais j'ai pensé au six-pack. Oh! Comme ça on mourra pas de soif. Ah! Un fantôme! J'ai peur! Donc vous l'aurez compris, on n'ira pas voir Ghostbusters 2016. Il faut que tout le monde arrête d'aller voir ces saloperies de reboot. Ils ont rebooté Old Boy, les gars. Ils ont peur de rien. Ils vont pas s'arrêter là. C'est clair. Perso, je préfère encore jouer à Ghostbusters 2 sur NES que d'aller voir ce film. Non, quand même pas, vous feriez pas ça. Si, si, vous allez voir. Je vais le faire. Et vous allez jouer avec moi. C'est un ordre. Oh putain, vous allez pas faire ça. Oh que si. On a enfin réussi à remplacer les mecs par des filles. Ouais, c'est mieux que ce soit des filles. Ouais. Les garçons, ils sont nuls. Ouais, c'est nul et ça pue. Ouais, c'est méchant, ils sont tous violents. Du coup, le film, il sera mieux parce qu'il n'y a plus que des filles. Vive Clémentine Autain. Ouais.